Hello tout le monde, c'est Enora22, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Ravenlock, un jeu développé et édité par Coco Cucumbers. Installez-vous confortablement sur votre canapé, votre lit, votre chaise de bureau ou sur vos WC, peu importe. Let's go! Voilà, dernière vidéo pour terminer le jeu de Ravenlock. Nous allons tout de suite placer la deuxième relique. Ensuite, nous allons enfin pouvoir rencontrer le botaniste, obtenir notre dernière relique et enfin affronter la reine. Mais là, tout de suite, on va commencer par placer notre deuxième butin. Ici, vous allez affronter deux vagues d'ennemis. Ils sont assez pénibles parce qu'en fait, ils vont tenter de vous encercler et donc du coup, en profiter pour vous balancer des boules vertes. Donc restez vraiment à chaque fois sur l'extérieur pour éviter de vous faire piéger. Ramassez bien tout ce qui se trouve au sol parce que vous le verrez, elles vous seront utiles pour une future quête. Thank you.
Pour ce puzzle, rien de bien compliqué, il vous suffit simplement de compter le nombre de statues à l'effigie de ces animaux. Par exemple, pour les ours, nous en avons croisé deux.
En fouillant au niveau du balcon, vous trouverez une série de notes vous indiquant les volts et notamment la température. Donc faites comme moi, choisissez 180 pour la gauche et moins 18 pour la droite. Alors avant de passer par la porte, il nous reste encore une figurine à ramasser, ce sera notre 17ème. Et évidemment ouvrir le coffre afin de pouvoir récupérer le chapeau, le porter et débloquer donc un nouveau succès. Thank you.
Avant d'aller plus loin, nous allons juste pouvoir recueillir notre toute dernière figurine et ainsi débloquer le succès Dance Master. Thank you.
Watch out! Parlez à ce gardien afin d'activer la prochaine quête. Le but est simple, vous devez obtenir 4 cartes afin d'ouvrir la porte. Pour cela, eh bien, activez un interrupteur de chaque côté. Cela va permettre ensuite d'attirer un certain nombre de gardes de part et d'autre de ce couloir central. Et en éliminant les groupes d'ennemis, eh bien, vous obtiendrez les cartes. Moi, j'ai activé les 4 interrupteurs, mais en fait, activez un de chaque côté à chaque fois.
Après avoir affronté ces deux vagues d'ennemis, il faut de nouveau interagir avec les deux interrupteurs qui ne se sont pas allumés de part et d'autre de ce couloir central afin de déclencher à nouveau deux autres vagues d'ennemis et ainsi obtenir les deux cartes qui vous manquent. Alors avant d'affronter l'arène, je vous conseille vivement d'aller augmenter le niveau de votre personnage ou bien d'acheter des potions de vie et des bombes si vous le désirez, parce que vous le verrez, le combat de l'arène se déroule en deux phases, donc en tout cas des potions de vie c'est sûr, et augmenter le level de votre personnage, oui évidemment, parce que ses attaques seront beaucoup plus puissantes.
Alors, pour affronter l'arène, tout sera question d'esquive. Cachez-vous un maximum derrière les poteaux et sortez de temps à autre pour qu'elle puisse vous attaquer. Et enfin, esquivez au dernier moment. Elle sera alors coincée soit avec le sol, soit contre un poteau. Ce sera le moment idéal pour la frapper avec votre épée. Elle lancera aussi parfois des boules vertes. De même, protégez-vous un maximum avec votre bouclier en appuyant sur la touche Y de votre manette, puis esquivez au tout dernier moment. Lorsque l'arène sera en l'air, privilégiez également les attaques avec LB de votre manette ou bien les bombes. Pour cette deuxième phase de combat, l'esquive sera également une part importante. Utilisez au maximum les attaques lourdes et notamment en utilisant la touche RT de votre manette. Lorsque la reine lance son attaque avec cet halo bleu lumineux, elle tente de vous rapprocher à elle. Appuyez sur B et maintenez le joystick en avant pour rester un maximum loin d'elle. Watch out!
Vous venez de récupérer la couronne de la reine, donc n'oubliez pas de la porter afin de déverrouiller votre prochain succès. Parlez ensuite à Finn pour assister à la fête finale du thé et ainsi gagner le prochain succès. Vous n'êtes pas obligé de parler à toutes les personnes présentes à la fête, mais bon, moi j'aime bien qu'on me remercie, donc surtout quand j'ai sauvé le monde. Parler à Finn sur le balcon, puis à Alina, vous permettra d'obtenir le succès retour à la maison. Il nous manque encore 2, voire 3 succès à obtenir et ça se passe tout de suite après le générique du jeu. Alors, vous le voyez, pour ma part, il me reste encore 2 succès à obtenir, celui des bombes et l'augmentation de mon niveau jusqu'au 20e. Donc, on va s'en occuper tout de suite. Alors, pour cela, cliquez simplement sur « Continuer ». Vous apparaîtrez ici, au sein même du royaume. Vous allez pouvoir acheter des bombes et des potions chez la marchande Madame l'Hérisson. On y va de ce pas. Achetez le nombre de bombes nécessaires qu'il vous faut et le nombre de potions nécessaires qu'il vous faut également. Si vous êtes à court d'argent, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous allez détruire des ennemis, soit vous faites le tour plusieurs fois de chaque endroit afin de casser des jarres. On va s'occuper maintenant du succès où il faut monter jusqu'au niveau 20 notre personnage et pour cela, eh bien, retour dans la forêt des champignons.
Vous le voyez ici, il ne me manque plus que quelques plumes pour obtenir mon succès. Vous savez que vous obtenez les plumes en détruisant et en combattant des ennemis et je vais vous montrer pour cela l'endroit que je trouve le plus pratique pour y accéder. Alors, pour ma part, j'ai sélectionné comme endroit celui du labyrinthe. Chaque ennemi rapporte 200 plumes. Lorsque vous avez tué tout le monde, bien faites simplement un aller-retour. Vous verrez que les ennemis respawnent. Vous pouvez également vous rendre au château de la reine, où là, chaque ennemi vous rapporte 1000 plumes. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir selon le nombre de plumes qu'il vous manque. Sachez que voilà, plus vous allez loin dans l'histoire, et plus les ennemis rapportent de plumes. Ici, 200, et au château de la reine, 1000. Donc voilà, j'ai enfin le nombre de plumes nécessaires pour obtenir mon niveau 20. Je me rends donc chez le marchand de niveau dans la forêt des champignons. Et ça y est, j'ai obtenu mon succès. J'espère que vous aussi d'ailleurs. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un pouce vers le haut sur la vidéo, à la partager ou à commenter. Je réponds très volontiers à vos questions. Rejoignez-moi sur Twitch, je suis également sur Twitter. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.